regardé Le Dernier Été en Ville de Caligariche. C'est l'histoire de Léo, un jeune Milanais qui quitte sa ville pour s'installer à Rome. Il va travailler à droite, à gauche, dans des petites revues, des journaux. Il va beaucoup errer dans la ville de Rome. Jusqu'au jour où il rencontre Arianna, une jeune femme très séduisante, qui est un peu névrosée, qui va venir, rentrer, ressortir de sa vie à chaque fois. C'est vraiment une très belle histoire d'amour, mais c'est surtout une déclaration d'amour sur la ville de Rome, qui est très très présente dans le livre. Si vous n'avez jamais été à Rome, vous allez avoir envie d'y aller et de regarder sur internet les photos des places mentionnées. Et si vous avez déjà été à Rome, ça va être à nouveau un coup de foudre. Et c'est un livre qui a été écrit en 1974 en Italie, qui n'avait jamais été traduit. Donc c'est vraiment l'occasion de le lire.